Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, on se retrouve aujourd'hui avec le frérot Namso. Comment tu vas? Bah ça va, tranquille frérot. On va s'ouvrir du coup, comme je vous l'ai montré durant la précédente vidéo, cette petite display VMAX Climax. Dedans on a du dracofeu. On a va falloir que tu m'excites hein. Pour du japonais. Ah, faut que télétête ton qui pointe là. Ouais, c'est ça, il va falloir que tu m'excites. Qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur? Qu'est-ce qui est? On a du noctalisé. Parce que je vois là, je sais pas si vous voyez les refs. Là, je vois le personnage principal, c'est Chifour. Ouais, non. Non, il y a des rééditions dedans. Non, je plaisante. Mais ils ont laissé les places pour les bonnes en ultra, tu vois. Ça, c'est des ultra, pas de gamme. On va avoir dedans du Noctalivé VMAX. Ah ouais, avoir Noctalivé VMAX de quoi, d'évolution CF? Non, justement. Noctali V alternate et... Tu les as pas encore vus? Non. Incroyable, c'est bon. Si, j'espère qu'on va les découvrir ensemble. Je crois que je les ai déjà vus dans une de tes vidéos ou quoi, mais en vrai, comme c'est pas un Draco Fiacre, tu vois. Dedans, on a aussi du Régis avec Voltali, Aquali, tout ça, vraiment des très très belles cartes. Je vous rappelle que dans cette collection, on va avoir des cartes garanties. Donc normalement, on a 4 CHR qui sont garanties, donc 4 Kutra. On a une secrète aussi dans, qui est garantie. Il y a combien de boosters dedans? Il y en a 10. 10 boosters, 4 10 boosters garanties. 4 ultra garanties, mais des grosses ultra. Si, genre t'es avec quelqu'un qui a une poisse d'eau en ce moment, ça peut tomber à 3 ou 2. Non, mais après t'as des ultras qui sont mieux que d'autres. T'as l'ultra avec Krixik, je sais pas si tu vois c'est qui Krixik, le truc avec le type insecte là, avec les espèces de lames dégueulasses là. Bah, tu peux tomber sur ça ou tu peux tomber sur un Pikachu avec Red. Ah, oh, c'est énervé. Ah ouais, là c'est énervé. Donc voilà. Balancez un maximum de likes. Je vous laisse mettre les pouces bleus pour qu'on se pète ça. N'hésitez pas à checker la chaîne du frérot comme d'hab dans les commentaires. Et Zebardi. Allez, let's go pour ouvrir ça du coup. C'est dangereux moi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Je te jure, j'ai eu peur pendant un instant. Ouais, bah, je me suis dit. Ça serait dommage. En fait, moi j'ai pas pensé forcément à ton doigt, j'ai plus pensé à mon bureau, mon écran. Allez. Ah, c'est beau. En fait, déjà le packaging c'est beau. En fait, le Japon, je trouve que tu sais, ils sont pas orientés sur l'écologie et tout. Ils s'en battent les couilles de l'écologie. Par contre, en revanche, c'est vrai que ils sont. C'est magnifique. C'est vraiment beau. C'est magnifique, c'est beau. Ça se passe comment pour l'ouverture? On laisse l'honneur à l'invité, je pense. On laisse l'honneur à l'invité. Allez, let's go, les amis. On va partir sur un petit booster japonais. Donc, franchement, vraiment, regardez même les couleurs et tout. Ouais, petit arc. En fait, c'est vraiment. En fait, il y a tout pour te donner envie. Exactement. C'est eux, ils sont restés dans les années 80-90, tu sais, à l'époque où on s'en foutait trié, du plastique, du truc et tout. C'est déjà trié. Je crois. Ok, bah petite façon, énergie ce sera holo. Le test. Ah ouais, énergie holo, d'accord, dès le début, ça n'a aucun sens. Le petit Mr. Glaquette là, je sais pas quoi. Ouais. Snowbombre, je sais plus quoi. Spiritomb. Raichu de Wish, ouais. L'énergie multicolore, le focus, il... Ah, ouais, tu lis bien le japonais, hein. Galamé. Ouais. T'as vu, on... On est des traducteurs. Double énergie incolore. Oh, petite Tarak. Oh, celle-là, je l'aime bien. Enfin, Tarak. Je vais la mettre sous sleeve. Celle-là, je vais la mettre sous sleeve. Elle est belle, celle-là. Franchement, celle-là, je l'aime beaucoup. Hop là, merci. Ensuite, on a un. Je sais plus du tout son nom. C'est un genre de papillon nuit dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Absolument horrible. Je vais quand même la mettre. Oh, je crois qu'il y a quelque chose derrière. Oh my god. C'est la secrète. Oh my god. Et elle me fait peur. Le bas me fait peur. Attends. Bah regarde pas. C'est quoi que tu voudrais? Moi je voudrais un Pikachu Red ou un Octali, mais là ça fait. Vous n'avez jamais vu ça de votre vie. Je vous le dis, vous êtes pas prêt. Je suis désolé frérot. Ah ça va. C'est pas la secrète, c'est pas la secrète. J'ai cru que c'était la secrète parce que j'ai vu le bord noir. Je pensais que c'était la secrète, ça va, c'est pas la secrète. Ok. Première CHR. Elle est stylée de ouf celle-là. Ouais. Première CHR. Ah ça, ça sleeve ça. Ouais, bien sûr. Elle est stylée de ouf. Bien sûr. Très très belle les cartes. Elle est stylée de ouf. On va la sleeve. C'est plutôt un booster chanceux ou... Ça va, booster classique. Booster classique, ah ouais, c'est bien le japonais. C'est bien le japonais les gars. Regardez-moi cette beauté. Elle est magnifique celle-là. Très très belle les cartes. Après, est-ce qu'il y a... Bon, on va regarder quand même si jamais il n'y a pas une print line dessus parce que j'aime beaucoup ces cartes. Ça va parce que les collections, justement, le problème avec le Jap maintenant, c'est que comme ils impriment à la mort, pour éviter le cas. Tu la sleeve ça ou pas? Celle-là, je la mets sur le côté. Oh non, il n'y a pas de respect. Une VMAX, il la sleeve pas, les gars. Oh my god. C'est Pokémon Coccinelle, ça. C'est. Tu vois, je préfère sleeve le Tarak. Je donne plus de respect au Tarak que. Vas-y, ça m'excite. Vas-y, ça m'excite, frérot. Let's go. Let's go.
go les amis. Allez, franchement ça m'excite, frérot. En fait le truc c'est que c'est Vestar, non? Ça va être il y a des cartes qui seront dans Vestar. Oh my god. Il y a des cartes qui seront dans Vestar, les taux seront pas pareils, tu vois, t'auras pas autant de trucs garantis. Énergie obscure. Morpheo glace. T'as toujours une énergie holo en fait. Blizzy, ouais. Malos. Beastball. Beastball. Je sais plus comment ça s'appelle le L. Ça c'est la petite tour. Rayadrich. Pomme drapie. Oh c'est la secrète. Oh c'est la secrète, mais c'est pas la secrète. Hey, il l'a ouvert, hey, il l'a ouvert comme s'il n'y avait aucun suspense, frérot. Je m'attendais pas en fait à avoir une dresseur. Donc ça c'est la secrète. Par contre c'est pas la secrète que je voulais, mais elle est très très jolie quand même. Nymphalie, et du coup on finit pas. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, on sent la déception les amis. Après est-ce que c'est vraiment une déception ou pas, je sais pas. Moi personnellement je trouve que les dresseurs elle est belle la carte. En vrai elle est belle. Après j'aurais préféré avoir bon, elle est belle la carte. Elle est belle la carte, mais bon, c'est pas la meilleure quoi. Mais elle est jolie la carte. Bon vas-y, je te laisse l'honneur. Ouais, c'est marqué. Tu vois, c'est ça qui est bien avec cette collection, c'est que t'es obligé d'avoir des trucs, tu vois. T'es obligé d'avoir des cartes, c'est sympa. Là, j'ai quelque chose. Oh là, évidemment, j'ai une VMAX ou un truc comme ça, je te le dis tout de suite. Énergie Psy, ça commence bien. Pokémon inconnu au bataillon, ça commence bien. Monsieur Mime de Galar. Monsieur Mime de Galar. Pokémon inconnu. Une clé de 10 pour réparer le joint de culasse du Clio 2, les gars. La petite énergie. Aldo. Ouais, Aldo. Ok. C'est laquelle? Non, là c'est rien, okay, encore. Ok, c'est rien. C'est derrière. Archéodung. C'est pas possible, j'ai vu un truc. Hein. Holo encore. Cresselet qui est pas mal joli, j'aime bien. Voilà, tu vois. Moi je suis un mec des VMAX, sache-le. Vas-y. Moi je suis un mec des VMAX. VMAX ouais, c'est quoi que tu veux en VMAX? Dis-moi tout de suite, vite, vite, vite. Vite, je te la sors. Je crois que Noctali il est dedans, mais j'ai déjà eu. Donc je sais pas. Pourquoi il y a marqué RRRR à côté? Je sais pas, vas-y, mais c'est juste une VMAX de toute façon. Ok, Eternatus, je l'avais pour. Et petit Branette avec. C'est une secrète ça 187, 184, en fait, non c'est considéré comme secrète sur les numéros. Mais c'est pas une secrète. C'est pas, ouais, ça fait partie des 4 ultra garanties. En fait, quand je disais 4 ultra garanties, je comptais pas les VMAX et tout, je comptais ça dedans en fait. Mais ça ressemble à. Tu te rappelles comment ça s'appelle Eclipse Cosmique, ça ressemble. Ouais, exactement. Ça ressemble à du Eclipse Cosmique, les gars. Et ça, le Eternatus, j'ai l'impression qu'il ressemble quand même grandement à celui de soit de Ténèbres Embrasées, je crois. C'est complètement ça, c'est une réédition. Je sais plus quoi. C'est une réédition. Tu sais, j'ai jamais compris ce Pokémon. Enfin, j'ai compris parce que je connais. Ouais. Mais sinon, pour moi, là, c'est un espèce de coulis de caramel chelou, tu vois. On est au combien tième, là? Cinquième booster, je crois. Cinquième booster. On a eu la. Donc, ouais, on a eu deux rares pour l'instant. Ouais, un God Pack, ce serait ouf quand même. Franchement, un God Pack, ce serait ouf. Hein. On a eu deux vitrées, la secrète du coup. Hop. Énergie Plante, Pyroli, très joli. Je sais plus c'est quoi le truc à mon archéo donc. Flûte, pipe. Forêt, enneigé. Kyria. Octiri. Je sais plus. Ou Groutan. Petit Articone en V que j'avais pas, donc ça va être toujours sympa. Énergie incolore. Et c'est la dernière. Oui, c'est la dernière en fait. Tu vois, bah, ce pack là par exemple, il y avait rien dedans. Tu vois. Il est éclaté au sol. Des fois tu peux avoir VMAX plus secret plus truc, des fois tu peux avoir rien du tout. Vas-y, je te laisse continuer. On espère. Enfin, c'est pas une science exacte. C'est une science exacte sur les paquets français, hein, je te le dis. C'est une science exacte. La petite énergie incolore. Zigzaton, je sais plus quoi. Pomme cerise. Nessa, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Le petit ballon flottant, les amis, comme dans Fortnite. Oh, je la suis tout de suite celle-là. Ça fait toujours plaisir. C'est Lolo qui fait plaisir dans le. Oh, ordre du boss, non, ils ont pas remis ça. Très très. Ouais, si. Oh non. Oh, ça me rappelle quelque chose. C'est Ténèbres Embrassées aussi. Ouais, il y a des rééditions. Mais en fait, j'ai que des God Packs, frère. J'ai des VMAX à tous les. J'ai des VMAX à tous les trucs. Allez, let's go pour ouvrir ça. Ok.
Energio, Aquali, très joli. Pomme d'appui. Machin là. Ouais, il y avait un Aquali, ouais. Non, c'est pas un Aquali, mais ouais. Si, si, il y avait un Aquali. Non, mais sur la carte en arrière, faut le dire. Dardanian. Dardanian. Rouflet. T'as pas un pack éclaté encore. Et Rayquaza V. Et une canne à pêche, frère. Canne à pêche. Mais t'as aucune chance sur les jambes. T'as aucune chance sur les jambes. On y croit, deuxième secrète, on y croit. Ah, là, c'est... La petite énergie éclair. Skelenox. Salamèche. Ouais. Le petit Salamèche, les refs. La petite imitation de Naruto Shippuden. On a un une dresseuse, pardon. Une explosion magma. Ah, il est beau le Démolos. Démolos, il est incroyable. Il est grave bon. Il est incroyable le Démolos. On a un Astronel, je crois. Ou je sais ouais, quoi. C'est exactement. Oh, c'est pas possible, frère. Encore une chance. C'est pas possible. Laquelle? Oh, j'ai une secrète. Oh my god. La chance pour rien, les amis. Oh là là, c'est incroyable ce qui se passe. La dinguerie, deux secrètes dans la display. Incroyable. C'est incroyable. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Remontre là. Tiens, si celle-là aussi, non, ouais, plus la merde. Je vais cibler les deux, t'es un ouf, bien sûr. Non, puis pas la merde du tout. Les deux sont très belles. T'es malade. On a un oh là là, trop heureux. En plus, elle est magnifique là. Elle est magnifique. Elle est magnifique. En plus, bah je. Là, c'est pas ça, c'est que t'es en train de me chauffer à me dire achète du japonais parce que t'as de la chance. Tu veux que je te prenne les displays ? Ça peut être un truc. Tu me dis, hein, si t'as envie, tu me dis, frérot. Allez, regardez comment elle est belle. Donne-moi l'autre, je vais laisser celle-ci. Regarde, montre-leur comment elle est belle. Montre-leur cette beauté. Elle est magnifique. Incroyable, et pour l'instant. Elle est magnifique. Ce qui est très beau aussi, c'est que j'ai eu aucun double. J'avais déjà ouvert une fois. La dernière fois, on n'avait pas eu de chance. Hein. On n'avait pas eu de chance la dernière fois. On n'avait pas eu de chance du tout. Mais après, il y avait qui en plus avec nous? Il y avait Kibiki. Ah bah. Il y avait Shizé. Désolé, frère. On dit rien, mais. On sait qu'il y a de la chance. Hein. Non, franchement, magnifique. Magnifico. Magnifico. Ah, j'avais pas vu sur la Quatermark, il y a la nouvelle. Il y a le nouvel holographisme en fait. Tu sais, il y a un nouvel holographisme en Jap en carré. Là, je sais pas vu. Regarde. Je montrais aux viewers en même temps, tu vois. Ah oui, d'accord, je vois. Bah, c'est l'holographisme McDo, non? Ah non, non, c'est non, pas non, la même chose. C'est pas le même. Ah oui, d'accord. Ah, c'est joli. Okay. Bah, c'est à moi, du coup. Je suis pas super fan. Hein. En fait, déjà, celui-là, je le trouve dégueulasse. L'holographisme en tech. Ouais, celui-là, c'est celui-là de base, en fait. Ouais, mais non. De base, les holos, c'est comme les sets de base et tout. Ouais, mais. Il y avait pas de truc. Ces holos-là valent plus cher que. Je pense que c'est pour faire des économies, tu sais, parce que maintenant, vu qu'il y a les V, les V Max et les secrets. Ils mettent plus d'argent sur ceux-là, tu vois. Ouais. Donc les holos, c'est devenu un truc claqué, tu vois. Ouais. Et ouais, je suis d'accord avec toi, les holos d'avant, les rien holos à voir avec cette holo. Comment elles sont belles, c'est incroyable. Oh my god, il va encore nous sortir une V. Tu m'as rendu heureux avec le truc que t'as paqué là. Les deux là, ils sont pas mal. Hein. Morpheo. Machin. Tu peux avoir trois secrètes. Ça m'étonnerait, Inch'Allah. Hein. Je sais pas, moi je demande, les gars. Je... Faut le temps. Moi j'avais ouvert, tu sais, Vesta, okay. Tu sais, celle de. Le genre de destinée radieuse là. Tu sais, ils avaient fait une. Mais genre voilà, t'as pris tous les packs. En jarre. Frère, il a pris tous les packs qui sont bien, j'ai juré. C'est le dernier? Malheureusement. Non. Oh là là, la catastrophe Ada, les amis. Là, il en reste un encore. Et ouais, t'as eu 11 de. Calme-toi avec l'histoire du God Pack, on sait même pas si c'est vrai. bien sûr. Je plaisante. Hippotrempe, Roy. Les petites gants, les amis. Allez, je pense que le dernier booster, je t'ai fait exprès de te le laisser. Parce que je pense qu'il va être long. Ah, Michu, ouais. Franchement, joli, j'aime bien. Aldo. Et là, Aldo en holo. Ok, je sais pas ce que tu sympa. Faire, de toute façon, je vais tous les vendre. Hein. Je vais tous les, c'est juste que. Je vais pas, vu qu'il y en a 150 000, je vais pas vous faire. Allez, le vidéo. Dernier, les amis. Le dernier pack. Le dernier, de Last Regardez, of Us. Regardez, c'est vite. Le dernier d'entre nous, les amis, The Last of Us. Quel chef-d'œuvre vidéoludique. C'est vrai que les packs, ils ont de la gueule. Ouais, ils ont de la gueule. Hein. Mais en fait, ils te donnent envie, tu vois, de surconsommer. C'est ce que je dis souvent. C'est moi, les trucs qui viennent du Japon, là, généralement, j'ai l'impression, tu sais, c'est vraiment. C'est comme c'était chez nous, mais dans les années 90. Tu sais, vraiment, à l'époque, ils s'en foutaient. Ah, un peu. Ouais, je vois le délire. Ils s'en foutaient de l'écologie, du truc, du machin, tu sais. Ils mettaient des cartons dans des cartons, des trucs plein de couleurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça les. Bah t'as vu maintenant les blisters comment ils sont? C'est du carton dégueulasse alors qu'avant on était sur un truc un peu plastifié qui était grave. Ouais mais au tout départ je crois que c'était du carton aussi. Hein.
la base et celle de base. Et tout. Ouais, c'est vrai. Mais je préfère quand même la matière d'après. Ouais, moi j'aime bien, j'aime bien. Mais après, c'est sûr que ça se conserve moins bien. Le dernier, là, dessous. Le dernier. Frérot, t'as eu deux secrètes. T'es trop gourmand. Faut savoir se passer du dessert. Le petit frissonil. Petit frissonil. Ornithologue. Ah, il a chaud. La pierre de Naruto. Ça, c'est la pierre que Tsunade a donné à Naruto, évidemment. Qu'ils ont repris dans Pokémon. Hop. Mmh. Seriflore, je crois. Et Lectan. Lectan. Eh, t'as eu que des V, frère. Mais t'es... Eh, je vais te surnommer Vaisseau. Oh, oh. Elle est stylée, celle-là. Petite, elle est grave stylée. Mais ça, on ne l'aura pas, nous, en France. Si, si, on les aura. Mais stylés, mais ça sera pas les mêmes taux, tu sais très bien. On va pas avoir 4 trucs comme ça garantis par display, c'est impossible. Bah ouais. Après, je me demande si... En fait, ce que je me demande, tu vois, c'est s'ils vont faire comme sur Eclipse Cosmic et vont les mettre sur la reverse. Ça serait un truc de fou. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, si jamais ils le font sur V-Star, c'est la meilleure collection. Je vous promets, hein, vraiment. Parce que. Mais c'est pas une 1.5 V-Star. C'est pas une 1.5, mais Eclipse Cosmic non plus, c'est pas une 1.5. Ouais, c'est vrai. Mais Eclipse Cosmic, en vrai, les taux de drop, ils étaient éclatés quand même. Hein. Enfin, c'est, tu peux l'avoir sur la reverse, mais c'est quand même pas. T'en as pas tous les jours. On va faire un petit récap de ce qu'on a eu. Bon, je vais pas vous montrer toutes les V et V-Mat parce qu'il y en a tellement. Je vais vous montrer les gros hits. Et il y en a, en vrai, je suis grave content. Alors du coup, la petite dresseuse, bon celle-là, c'est pas la meilleure dresseuse du truc, loin de là, mais ok, c'est cool. On va avoir Branette, du coup, avec la meuf du conseil des 4, là, je sais plus comment ça s'appelle. Cynthia ? Non. Les gens, ils vont... Les gens dans les commentaires, ils vont m'insulter. L'énergie. C'est pas ça le... Ah non, du conseil des 4, j'ai cru que t'avais dit de la ligue Pokémon. Et du coup... Ouais, du conseil des 4 ligue Pokémon, c'est pareil. Bah c'est pas Cynthia coup... Non, là c'est pas Cynthia là. Ah non, j'ai pas vu, j'ai pas regardé. Ah oui, t'as pas regardé. J'étais en train de trier, je t'ai donné un au hasard, frère. J'étais en train de regarder les 4, moi. Du coup, on est à combien de hits là? On est à 1, 2, 3, 4 et 5. 5 hits, c'est pas mal. Donc, je pense que la dresseur a remplacé une CHR en fait. Chain, comme ça, en fait, tu peux en avoir 4 et du coup, celle-là, c'est la secrète, la vraie. D'accord, ok. En tout cas, magnifique. Ouais, bah c'est cool. Magnifique. En tout cas, j'espère que cette ouverture vous a plu, les frérots. Si c'est le cas, petit pouce bleu, petit abonnement, comme d'habitude. On va taper les 2000 abonnés à 2000 abonnés. On fait un truc de fou, donc n'hésitez pas. On a encore ça à s'ouvrir. Ah, ça va m'exciter. On a encore ça à s'ouvrir aussi. Ça, donc, ça va m'exciter. Pour la suite, vous vous abonnez, vous activez la notif pour être au courant. Vous allez chez le frérot Namso. Dans la description, vous allez regarder aussi. Et puis, je vous souhaite beaucoup de chance pour vos prochaines ouvertures. Une bonne journée ou soirée. Prenez soin de vous et de votre collection, évidemment. Ciao, ciao.